Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que l'Éternel des armées vous bénisse. Nous vous saluons au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Daigne le Dieu Tout-Puissant vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment. À la présentation de cette émission, c'est votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala. Encore une fois, recevez nos chaleureuses salutations et bénédictions en Christ Jésus. Soyez bénis et soyez bénis. L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03. Encore une fois, plus 1 331 262 49 03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec votre humble serviteur. Que les dieux tout-puissants vous bénissent, les papas, qu'ils vous bénissent, les mamans, qu'ils bénissent tous ceux qui sont branchés, scotchés en ce moment et qui vont devoir prendre part à cette séance des prières. Soyez donc richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Et je vous prie donc de partager sur votre journal, partager dans les groupes auxquels vous êtes abonnés. Permettez à quelqu'un d'être branché, mais aussi d'être connecté. Vous êtes capable de partager, cliquez également sur le lien pour copier ce lien et puis l'envoyer à tous ceux qui vous sont chers via Messenger, WhatsApp et autres. Que le Dieu Tout-Puissant vous arrose et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Vous qui le faites, soyez bénis. Recevez toutes nos bénédictions en Christ Jésus. Sans plus tarder, on va dire à Dieu merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être, le mouvement, la respiration. Merci pour sa bonté, son amour. Merci pour ses bienfaits. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Adore Jésus. Adore le roi des rois. Adore l'agneau immolé des dieux. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Voulons t'élever, voulons te magnifier et t'adorer, voulons t'exalter, te célébrer, voulons t'élever Jésus. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous te disons merci. Merci les dieux aux possibilités illimitées. Merci le ressuscité du troisième jour. Merci le rejeton de David. Merci l'agneau de Dieu. Merci El Elyon, El Shaddai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant dire à Dieu, dis-je des miséricordes et des compassions. Tu vas dire, Seigneur, sois le Dieu qui me pardonne de tout péché. Sois le Dieu qui purifie mon corps. Sois le Dieu qui purifie mon âme. Sois le Dieu qui purifie mon esprit. Dis à Dieu, purifie ma conscience. Purifie mon subconscient. Que tout ce qui puisse constituer péché, iniquité, me soit pardonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la miséricorde du Seigneur. Papa, nous te disons merci. Et nous te prions de nous purifier. Nous te prions de nous sanctifier. Nous
te prions de nous nettoyer, nous te prions de nous laver, nous te prions de nous blanchir. Sois le Dieu qui lave notre eau, sois le Dieu qui purifie nos âmes, sois le Dieu qui purifie nos esprits, sois le Dieu qui nous justifie et qui nous sanctifie. Papa, il est écrit, quand bien même notre péché sera plus rouge que du cramoisi, tu es le Dieu qui nous rend plus blanc que la neige. C'est pourquoi maintenant, Yahweh, nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de nous blanchir et de nous sanctifier. Au nom de Jésus de Nazareth, tendre Père, nous nous rapprochons de toi, te demandant ainsi de nous laver, de nous blanchir, te demandant ainsi de nous justifier, de nous sanctifier. Père, ôte les péchés. Selon qu'il est écrit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je sais que tu le fais maintenant. Je sais que tu me purifies, tu me blanchis. Je sais que tu laves ma robe. Tu laves mes pensées ainsi que mes imaginations. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire, louange et honneur à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin. Bien-aimés, nous allons en profiter pour implorer la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, inonde mon âme. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Saint-Esprit, inonde mon être. Rêvez-moi de ta puissance. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus, alléluia. L'Éternel des armées, le Dieu des possibilités illimitées. Le roi des rois, l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin. Nous voici devant ton trône. Nous voici devant ta face, te demandant, Seigneur, de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, de purifier nos esprits, au nom de Jésus. Et nous te prions de nous remplir de ta puissance ainsi que de ta gloire. Nous te prions de nous revêtir de ta puissance, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ensemble avec les bien-aimés, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons l'étoile brillante du matin, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous acclamons le rejeton de David. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Acclame Jésus, acclame. Il est Dieu. Zambé mon élevé. Zambé monene, Zambé nangaye, Yesu mosu swazalite. Oh Zambé monene, Zambé monene, oh Zambé monene, Zambé monene, oh Zambé nangaye, Yesu mosu swazalite. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Mon frère et ma sœur, nous sommes dans la présence du Seigneur. J'aimerais me rassurer que chacun de nous est en train de partager. J'aimerais être sûr que chacun des enfants de Dieu est en train de cliquer sur « J'aime » et qu'il est aussi en train de commenter. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'aimerais être sûr qu'on est ensemble. Depuis toujours, toi, tu ne partages pas, tu n'invites pas les autres, tu ne prêches pas l'évangile. Je pose toujours la question de savoir de quel côté es-tu? Es-tu des nôtres ou bien es-tu de nos ennemis? Alléluia. Es-tu des nôtres ou tu es tout simplement de nos ennemis? Mon frère et ma sœur, aujourd'hui nous sommes venus pour prier.
recommandant nos vies entre les mains du Seigneur. Nous sommes venus pour prier, demandant à ce que la volonté du Dieu très haut de notre Père s'accomplisse dans nos vies. Nous sommes venus pour demander à Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, d'occasionner des rencontres, des connexions, des communions, des connexions positives, mais qu'il puisse aussi bien aimer le Seigneur lui-même dans sa souveraineté, occasionner aussi certaines séparations. J'attends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, permets des bonnes rencontres, mais aujourd'hui, permets également des bons débarras. Rencontre, connexion ou déconnexion, bien-aimé, que les deux ne te fassent plus pleurer. J'attends quelqu'un dire à Dieu, papa, l'amitié qui n'a pas beaucoup. Il est grand temps pour nous de comprendre Dieu dans sa façon d'opérer, dans sa façon d'agir. Je suis venu pour te dire, c'est pour ton bien que Dieu permet certaines séparations avec des gens. C'est aussi pour ton bien que Dieu peut permettre certaines rencontres, certaines connexions et renforcer certains liens d'amitié et de camaraderie. Très souvent, les fils et les filles de Dieu sont dans la joie quand il s'agit du Dieu qui fait ou qui occasionne des rencontres. Quand c'est le temps où Dieu permet des connexions, tu vas voir quelqu'un dans la joie parce que Nzamba Pesina relation yasika. Nzamba Pesina ami yasika. Dieu m'a donné un partenaire. Mais quand Dieu permet certaines séparations, les gens ont du mal à digérer cela. Mais ce matin, dans temps de prière agressive, je viens avec l'aide du Saint-Esprit te demandant de te laisser à la disposition du Seigneur. Rencontre misusu. Ce qui nous va permettre en go komisaye. Débara misusu pe. Ce qui nous va pas permettre en go beta ka kunduli la. Beta kunduli la. Beta kelelo papa Patrice alobara frère ngo imosoko. Ma mester beta kelelo. Ça dit mon frère et ma sœur, il faut que nous grandissions, nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes circonstances, positives tout comme négatives, rendez grâce à Dieu. Ndekolanga. Nekolobanayo. Ennemi. Akanisi soki ya tamboli to akeya sundolio na nzela. Et siliponayo. Mon frère et ma sœur, quand tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, il faudrait comprendre que ta vie ne dépendra jamais d'un homme sur cette terre. Je viens préparer le cœur de quelqu'un. Ta vie ne dépendra en rien d'un être humain, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Même si c'est ton frère, même si c'est ton mentor, même si c'est ton père, même si c'est ton ami intime, même si c'est ta femme ou ton mari, même si ce sont tes enfants. Nekolo bana mutu moko, vinayo, ezana maboko nzambe. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur.
J'aimerais que tu me dises Amen. Pesanga qu'Amen y a bien. Encore une fois, Amen. Je te prépare, bien-aimé le Seigneur, à te prendre en charge et à compter sur Dieu. Mokilio nengo monyango de ta de tambola raboye. Il y a un être suprême qu'on appelle Elohim, le Dieu créateur. Il y a le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu aux possibilités limitées, le Dieu qui pourvoit aux besoins qu'on appelle Jéhovah Juré. Si cette connexion, tu t'es déconnecté avec lui, c'est alors que tu peux, je te donne l'autorisation de pleurer amèrement parce que tu as perdu l'essentiel de ta vie. Mais au moni batignon son mokilio, ezala o apesa ko ba million na ba milliard, ezala o ya kanza ke sans yo vivre te ndeko nanga. Si quelqu'un se décide de partir et de se retirer de toi, n'en fais en aucun cas sujet de deuil. Je sais que ça peut te faire mal. Je sais que tu peux traverser, tu peux sentir une perte considérable. Oui, mais ta vie ne s'arrête pas là. Dites Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, certes, dans ce monde, il y a des personnes qui peuvent nous affecter positivement. Il y a des personnes qui comptent, qui comptent de pratiquement tout pour nous. Des gens qui nous ont secourus, des personnes qui nous ont soutenus. Pendant que je parlais là, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu nous prêches l'ingratitude ou comment? Pasteur, tu sponsorises l'ingratitude ou comment? Non, 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 non. Je suis dans la dimension de maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dans la dimension. Dans le livre de Josué, chapitre 1er. Lisez très bien. Quelqu'un me dira, pasteur, Nicolas, tout dans la bibliothèque. Nicolas, tout dans la bibliothèque. De Rolanda, tout dans la lélo. Tellement la paix à nous, ma référence, c'est pour gagner le temps, mais il faut tout temps. Nous sommes dans les livres de Josué, donc je disais, il y a un bien-aimé qui me dit, pasteur, nous ne lisons pas la Bible. Alors voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, on va faire quand même cet exercice-là, des livres. Vous allez comprendre pourquoi le pasteur nous dit ceci. Dans l'histoire de tout homme sur cette terre, il y a également la reproduction de ce que nous voulons lire. La Bible dit quoi dans les livres de Josué? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Là, c'est Dieu qui parle. Hein? Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu dit quoi? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant. Maintenant, fais quoi? Pleure? Non. Maintenant, fais quoi? Rentre dans un garage et tu t'enfermes là-bas? Maintenant, fais quoi? Tourne des regards inquiets. Là, c'est toi qui penses. C'est toi qui peux continuer la phrase dans ce sens-là. Mais là, je vous communique la pensée de Dieu. Comment Dieu a prévu les choses. Je prépare le cœur de quelqu'un à se prendre en charge. Je prépare le cœur d'une maman, d'un papa à se prendre en charge et de comprendre que sur cette terre, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Est-ce que tu comprends? N'importe qui peut venir dans ta vie et il y a un temps où il peut partir. Dieu parle.
parle à Moïse. Nous continuons avec la lecture. Il dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que trouble, que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis les déserts de Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éphésiens, des Fléviens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai dit, j'ai été aussi avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi maintenant et prends courage. Fortifie-toi maintenant et prends courage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes dans le bon. Je pense que le pasteur Kalala n'est pas en train de prêcher la chair ou le sang ou ses propres pensées, mais je vous parle de la vision de Dieu. Il y a eu un jour où Moïse est venu dans l'histoire d'Israël. Il trouve le peuple d'Israël dans quelles conditions? Il les trouve comme des esclaves. Quand quelqu'un vient, c'est peut-être un mari qui lui a trouvé dans des conditions difficiles. Hey yo, namna sokola yo. Je t'ai trouvé dans des conditions difficiles. C'est moi qui ai tout fait dans ta vie. Toi, tu dormais dans quel, dans des bicoques, n'est-ce pas, au village, t'es tiré de la boue. Et maintenant, je fais de toi ce que tu es. Et tu veux me faire la guerre. D'ailleurs, je t'abandonne. Ndegonanga. Si tu rencontres de telles situations dans ta vie, quelqu'un qui t'a soutenu, quelqu'un qui t'a fait du bien, je te prie d'être toujours reconnaissant à ce genre de personnes. Mais n'accepte jamais dans la vie que quelqu'un fasse, prenne la place de Dieu dans ta vie. N'oubliez pas que la Bible déclare, Moïse était Dieu. Devant Pharaon, il était Dieu pour Israël, devant Pharaon. Nazolo Banayo, Israël a vu Dieu, Moïse, comme un sauveur. 430 ans de souffrance. Antinouba. Souffrance. Kiadi. 430 ans de travaux forcés. Yo mon apacité. Toi tu étais belle. Hein? Tu étais propre, Yaya. Batika yo. Vous avez nos tout bien. Passe yo, parce que ma zone a passe yo. Yo zala yi bien. Moïse a trouvé Israël, bien-aimé, en position de servitude, des esclaves de Pharaon. Incapable de dire non quand Pharaon a dit oui. C'est-à-dire que même quand tu es fatigué, si on dit tu vas porter 1000 sacs de ciment, c'est 1000 sacs de ciment que tu vas porter. Ah, quand je parlais de porter les sacs de ciment, je me suis rappelé de ma conversation il y a cela quelques mois, je ne sais pas, une année ou bien quelques mois, avec l'un de mes frères. C'est un homme de Dieu qui est un ressortissant de la République centrafricaine. Il est maintenant ici aux États-Unis.
C'est un homme de Dieu très bien, que j'aime beaucoup, de l'autre côté de l'Atlanta maintenant. Je ne vais pas citer son nom. Cet homme de Dieu, on a travaillé pendant longtemps. C'est un missionnaire. On s'est croisé à Pointe-Noire. C'est un grand homme de Dieu de l'autre côté de la Centrafrique. Il a organisé des grandes actions là-bas. Il a invité des femmes à tout Samuel et autres. Il est venu maintenant à Atlanta. Bien-aimé, quand il est venu, on a causé. Je l'ai reçu au téléphone. On causait, on était bien. Et après, il s'est installé, il s'est marié, il est assis ici. Je lui ai dit, homme de Dieu, comment après une année ou deux ans comme ça, qu'il soit déjà ici aux États-Unis. Ah, ça va, pasteur. Ah, comment ça va? Comment les séjours ici? Ah, mon cher. Cette phrase-là, quand je m'en souviens, je ris beaucoup. Il dit, pasteur, évangile aux États-Unis, c'est pas comme là-bas chez nous. Hein. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui a changé? Ah, papa. Ici, là, même si tu prêches l'évangile, c'est carton que tu vas porter. Donc, il remémande ma carton dans mon pot. Bien aimé. Je dis, c'est quoi? Il dit, papa, ici, tu vas porter carton à la tête. Mon pot, dans mon pot, remémande. Ça dit qu'on remémande l'ibende. Ok, nous, bien, il y a un 4-4 dans la chaîne et dans la ligne. Ok, il y a un dango. Donc, pasteur, dans mon limon. Mais caillou! On met à 12h du temps au téléman. Ah lui, ok, ma réalité a changé. Donc, je suis allé à l'école. Ce que pati, je suis allé à la poche. Ah! Mais quand je vois comment est-ce qu'il prêche, en dépit du travail, tu vas le voir, il est d'Afouta tantôt. Il est de l'autre côté là-bas, il a voyagé, il est à Portland en train de prêcher. Il a quitté là-bas, il est passé. J'ai dit, ouais, ça c'est l'homme de Dieu. Ça c'est l'homme de Dieu. Et je me suis souvenu de lui parce que j'ai parlé de ciment que tu vas porter. Et c'était le peuple d'Israël, peuple de Dieu, mais qui vivait cette vie-là pendant 430 ans. Donc la vie de l'homme. Tu peux être un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu. Il y aura toujours un temps que Dieu pourra permettre que tu puisses galérer. Au coin que non, au salapé qui m'en a mon sala. Domestique, Benda. Yonem toi domestique. Niveau d'études zéro. Pourquoi je te donne tous ces exemples? Parce que certaines personnes pensent que quand tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas galérer, tu ne peux pas traverser des moments difficiles. Bien aimé, Dieu peut permettre que tu passes par des situations difficiles. Cela n'empêche pas, ne te retire pas l'étiquette de fils de Dieu ou de fille de Dieu. En servitude, pendant 430 ans, ce peuple-là, c'était le peuple de Dieu. Tala, betanam tolo, banazaya nzambe. Malgré naza célibataire endurci, je suis fille de Dieu. Malgré le célibat, je suis fils de Dieu. Malgré la stérilité, je suis fils de Dieu. Malgré le chômage, je suis une fille de Dieu. Même si tu es à l'hôpital, à l'agonie, aux anza, yanza be. Et maintenant, pour que Dieu te sorte de cette situation, Dieu est esprit. Il ne se servira que d'un homme. Mouto azaroyo ko bimso na kat na pasi wana. A comment Nzambe était na vie d'ailleurs. C'est un pion. C'est un élément dont Dieu se sert. Yangwana yope nganga Nzambe, pasteur, tika pe ko beta pe piololo pe belé, ngana salabango baza, babosa na ngai bien aimé, tu n'es qu'un pion. Un élément dont Dieu se sert pour de pont pour sortir ses enfants d'une certaine situation. A tous en abama te ya barema. Zalapé humble,
zala pe efface ba ko zaka kanani instrument un canal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo pe mutoza la ba moyen yo, tu as de l'argent, tu as beaucoup de moyens. Dieu permet que tu rencontres quelqu'un dans la souffrance, dans la servitude. Tu viens, c'est par toi que Dieu lui fait sortir du chômage au péché Moussala. Par toi que Dieu lui fait sortir d'une situation difficile, tu lui donnes un loyer. C'est par toi que Dieu, mes seigneurs, va sortir une famille d'une situation de crise et la famille se retrouve. Eh, Kobetato le Beleteaya, sois patient, sois doux, sois effacé, parce que Dieu restera Dieu. Écoutez, de manière miraculeuse, Israël sort de cette servitude parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a décidé, mais Dieu se sert d'un homme en la personne de Moïse. J'aimerais que quelqu'un dise, ne prends jamais la place de Dieu dans ma vie. Ndozo le bango bien ten, o de bango na kilo, o zo a jeten. Zo attend, kotan attend. Sois connecté, sois branché. J'aimerais que tu dises, ne prends jamais la place de Dieu dans ma vie. Beta penda seta mounene, jamais. Ko zo a place en zambete yaya. Ne prends jamais la place de Dieu dans ma vie. Est-ce que Yokani, Ganga Makas, que tu sois mon père, que tu sois ma mère, que tu sois mon ami, que tu sois mon frère, que tu sois un partenaire, que tu sois un bishop, que tu sois... Dieu reste Dieu. Jamais la place de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Zoko Tamakamnazo le Banayo? C'est comme si je ne parlais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Zamba Monayo. Amonayo papa. Ne permets jamais à quelqu'un dans ta vie. Moni vie, vite tu es banana, tu es okena moi. Sur bando ça ben rire bon, ça la kan lobby. Mais après ce service, mets un point final na vie na yo. On doit se place en Nzambe. Que quelqu'un me dise, tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un moyen, tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un pion, tu n'es comment ndengo se peut comment ce que j'ai écrit. Je l'ai déjà écrit. Alléluia. Nzamba mona yo, yom tozo komelanga makambo. Yom tozo pesanga amen ya bien. Nzamba localisé. Il y a des personnes, quand Dieu les utilise, quand Dieu se sert d'elles pour sortir des gens de chaos, pour soutenir quelqu'un, l'aider à trouver une adresse. Quand quelqu'un par lui, Dieu passe pour t'ouvrir une porte, c'est fini. Tu n'as plus de mots à dire, tu ne peux pas bouger, tu ne peux même plus tousser partout. Il faut que tu parles de lui, il faut que tu lui rendes témoignage. Pardon. La Bible dit, de manière miraculeuse, Yaya, Israël a mon habit mangue. La démonstration de puissance, partagez. Maman, papa, partagez. Permet à quelqu'un d'être connecté et de bénéficier de ce moment de prière. Nazoba na mutu moko, malédiction pe blocage mo réseau kweya. Parce que Dieu était mécontent de toi. Tu passais des temps à pleurer, à murmurer. Au lieu d'avancer avec la vie, tu es resté là stoppé, en train de stagner. Obetara rond-point, Nazoba lo kisika moko. Pourquoi? Parce que Dieu est mécontent de ton attitude. Permettez à quelqu'un d'être connecté, papa, yaya. Partagez. Partagez dans ma groupe, partagez dans ma page, partagez dans WhatsApp. Partagez, permettez à quelqu'un. Kabali solo. Que Dieu te bénisse, toi qui le fais.
Bien-aimé, de quelle manière Moïse a-t-il délivré Israël? Nabimango. Pour la toute première fois dans l'histoire du peuple d'Israël, qu'il voit quelqu'un qui prend une verge et qui frappe par terre, la verge se transforme en serpent. Parce que Moïse avait demandé à Dieu, donne-moi des signes qui permettront à ce peuple de, qui est ton peuple à toi, de croire que c'est toi qui m'envoie. Nous avons passé des miracles, des mangues. Des ronanga. Abeta nge nyoke baluka. Et verge comme un nyoke. Il récupère encore, papa. Ça redevient encore la verge. Premier numéro. Après ça, il y a eu 10 démonstrations, on appelle les 10 plaies. Lisez l'histoire, c'est un livre d'Exode. À partir du chapitre 1er, continuez. Au moins, on a la démonstration en puissance à Moïse. Je parie que quelqu'un parmi nous a croisé également un homme qui lui a démontré de toutes les couleurs. Il y a d'autres qui t'ont acheté des véhicules. Et d'autres, c'est des immeubles qu'ils ont construits pour toi. Et certains t'ont sorti de la pauvreté, de la misère. Ils t'ont honoré. Un mariage, mariage du siècle. Moutoubena Sunga, on a vu. À côté, on a la cour des grands. Ce sont des démonstrations. Il y a des personnes qui vous ont marqué dans la vie. Certes, tous nous voudrions garder ces genres de personnes à côté de nous pendant longtemps. Tous nous voudrions garder ce genre de relations pour longtemps. Mais écoutez, il y a le Dieu Tout-Puissant qui n'aime jamais partager sa gloire avec les autres, avec les gens. Un Dieu qui est égoïste, on sera la tête. Côté le fond, gloire. Après les 10 démonstrations, la Bible dit, c'est de manière miraculeuse encore dans Exode chapitre 3, que Israël va traverser à sec la mer rouge. Bah, comme il est beau sur la mer rouge, oui, Moïse va étendre la mer. Boum, la mer est fendue en deux. Aquarium naturel. Du jamais vu. Maman Nangaye. Moïse Oyonan, on Nzambe Kakati. Il était devenu comme Dieu pour Israël. Il était tout pour ce peuple. Que Dieu te bénisse, papa. Et tu as une dette morale. La Bible dit arrivé de l'autre côté de la mer Rouge. Ils affrontent maintenant le désert. Là encore, c'était la démonstration. Quand le peuple d'Israël avait soif, Moïse frappe le rocher. Le rocher fait jaillir de l'eau. Bameli Maï. Maïoti dans les bangs. Maman Nelengi. Goût. Mais ils ont la goutte, ils ont la limpide, inodore. Vous avez dit la science. Parce qu'ils ont la goutte. Inodore. Limpide. Tu sens vraiment que c'est de l'eau pure comme l'eau des sources. Le rocher va jaillir de l'eau, encore du jamais vu. Et ils évoluaient comme ça. Ils étaient habitués. Quand ils avaient faim, c'était la manne qui tombait du ciel. À travers l'intervention de Moïse. Quand ils en avaient marre de la manne, bon, bolembi, bolembi, pizza, hein, pizza, bolembi, alimbal, beaucoup de ce qu'on a mis souni. Beaucoup d'un hamburger, pas mis souni na kati. Ils étaient habitués à finir, ils étaient d'origine, ils avaient mis souni, seul tous avaient chiffon, tu évitais. Il y a quand même une vie, mais ça vient bien, ma bon. Bien aimé dans le Seigneur. Après avoir fait toutes ces démonstrations, donc Israël savait qu'en cas de danger, en cas de difficulté, nous avons quelqu'un. On l'appelle Moïse. Souvenez-vous encore, lorsque les serpents brûlants commençaient à mordre les gens et les gens mouraient par jour par milliers, c'est encore le même Moïse qui est allé à la montagne de prière. Il va invoquer Dieu et Dieu va lui dire, élève les serpents des reins. Il va élever les serpents des reins. Tout le monde qui était mordu par les serpents, il était guéri. Donc,
Le temps me fait défaut pour vous parler de tous les détails. Comme pour dire, Moïse était devenu tout pour Israël. Nzamba songi songi. Nzamba zomuno. Dieu va faire de sorte que Moïse meurt. Ah, quelle douleur. Un temps de séparation, mais une séparation douloureuse. Quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui a tout fait dans ma vie, quelqu'un qui me soutient. Sans lui, moi je suis nulle part. Sans Moïse, mais moi je suis esclave de Pharaon. Donc c'était une perte stratégique et considérable. Une perte douloureuse en tout Israël. Et quand je vois l'histoire de Moïse, je me souviens encore de la mort du feu. Papa Étienne Tshisekedi, en février 2016. Je me souviens encore, je venais du boulot. Je bimara boy na compagnie na fongo la téléphone boy. Mais na ngambu kuna na ngambu kuna yami. Non loin de West. Je revenais de West Chicago. Nazo bimaka kana musala boy nouvelle. Eh la binzambe na. J'arrive à la maison, na tala na ba télévision na ba YouTube boy. Eh ya ya. Ba tata mi bimba baza ko mi boire. Eh ce que tu veux tu eh Parce qu'il y avait des personnes qui pensaient que c'est lui, l'opposant radical, c'est par lui que le pouvoir, il y aura changement, c'est lui qui fera. Bien-aimé, les pensées de Dieu diffèrent des pensées des hommes. Ne prends jamais la place de Dieu dans ma vie. Et le copain a commencé le monde, ne pèse dans la vie na yo. Tu peux tout faire pour moi. Tu peux peser comme tu le veux. Mais jamais tu ne prendras la place de Dieu. C'est la leçon du jour. La Bible dit, après la mort de Moïse, il fallait voir Josué. Moi, je suis ici maintenant. Tata Moubimba, Zako Mibamba. Les yeux sont enflés. Moi, je pensais que Dieu allait venir même le consoler. Josué, plaire encore un peu. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien-aimé, il y aura langage en ça. Dieu dit à moi, Josué, ceci. C'est effectivement ce qu'il te dit aussi aujourd'hui. Moïse était mon serviteur et il l'est. Moïse est mort. Mwenda Koufuana, ta vie ne s'arrête pas là. Moi, Dieu, je continue l'histoire avec toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, avance. Et Moutouman le banana n'a pas avancé. Le bas n'a pas avancé. Ça peut te faire pleurer. Ça peut te faire mal. D'avoir perdu quelqu'un de stratégique à côté de toi. Je ne parle pas seulement de la mort. Quand on parle de la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus en présence de toi, qui n'est plus à côté de toi, qui n'est plus disponible à te soutenir, à te rendre les services qui t'avaient rendu hier. Quelqu'un de très important, Dieu permet des séparations. Ça peut être la mort, ça peut être une déconnexion aussi, ça peut être un voyage, ça peut être une séparation dans le sens de au revoir. Quelqu'un s'en va, ça fait mal, mais il faut accepter cela et ne prends pas comme si c'est la fin du monde. Dieu voulait dire ceci. Avant Moïse, vous avez souffert,
Moïse est venu vous consoler pendant un temps. Vous avez vécu des bons moments avec lui. Maintenant, moi, le Dieu, le metteur en scène, j'ai décidé qu'il se retire encore de votre marche pour que vous continuiez seul. Ndekonanga ceux qui ont atteindre dimension en atteint la vie. Au comité frère, au bandako balokaron, tu vas commencer à faire un cercle vicieux, perdant le temps dans des pleurs, alors que Dieu t'attend là-bas. Nzamba ozelawa avancer. Mais il y a des gens qui ne veulent plus avancer dans leur vie, qui passent des années, des jours, des mois en train de pleurer. Pleurer Moïse n'est pas mal. Pleurer et se lamenter et faire des soucis, se souvenir de ce qu'il a fait pour vous, ce n'est pas du tout un péché. Dieu n'est pas là, mais Dieu vient seulement interpeller le leader Josué pour lui dire que tu vois Moïse là, il est mort, c'est moi qui l'ai retiré. Mais maintenant toi là, sur cette terre, ce n'est pas une vie. La terre, c'est une vie en marche, de marche. Nous sommes de pèlerins. Tu es appelé à avancer. Avance parce que tu as une histoire encore, un chemin effrayé à t'effrayer. Tu as encore de l'avenir. Tu as encore de grandes choses à réaliser. Ce que j'ai fait avec Moïse, je suis sur le point de le faire maintenant avec toi. Je parle à quelqu'un qui passe son temps à se lamenter. Il y a des personnes, tu vas la rencontrer en 2012, à Zakan Ali Solomoko. Papa, Naza blessé de guerre. Il y a JP m'a abandonné, il y a papa. JP, il m'a abandonné. On a commencé dans la souffrance, papa. Dans le moment de gloire. Il y a un autre JP en couvre. Mon ami, c'est vivre, il y a Nicolas. Je suis blessé, papa. Toi, tu es blessé en 2012. C'est la même chanson. Tu étais blessé. En 2013, papa, je suis blessé. En 2014, moi, on m'a escroqué. Moi, j'ai perdu de l'argent. Un tel m'a fait ceci. Bien aimé, la vie, c'est une vie en marche. Dans la vie, on avance. Dans la vie, on fonce. Dans la vie, on ne reste pas stagnant, stationné quelque part, en train de pleurer ce qu'ils nous ont. Ce qui nous ont quittés. Voilà pourquoi dans la vie de Naomi, après le décès de son mari, le décès de ses deux fils bien-aimés, elle s'est mise à pleurer, jusqu'à former l'association des femmes pleureuses. Zilpa, Ruth, Marie, association Baba Milelo. Bien-aimé, ça n'a rien changé de vendu. Changer le hôtel. Mais la vie de Naomi va prendre de l'ampleur le jour où elle va se décider, où elle va rentrer dans la vision de ce message. Elle va comprendre que avec mon mari ou sans mon mari, avec mes fils ou sans mes fils, moi ma vie doit continuer. Il a compris que Dieu est en train de visiter son peuple à Bethléem et Frata. Maintenant je dois continuer ma route. Avec ou sans ceux qui étaient avec moi, bien qu'ils comptaient pour moi, ils étaient chers à moi, mais maintenant ils ne sont plus. Je suis appelé à marcher. Je marche avec qui? Dieu est capable de te remplacer de nouvelles connexions, des gens qui peuvent t'aider dans la poursuite de ta marche sur cette terre. J'encourage quelqu'un, toi qu'on a abandonné, toi qui t'es séparé de quelqu'un, toi qui est même quelqu'un décédé dans ta vie, ça peut être un membre cher, un ami, une cousine, un frère, un papa, une maman, tes parents biologiques, tes fils et tes filles qui étaient tout pour toi. Et tu as passé des années, tu as beaucoup pleuré. Dieu m'envoie te dire, il est grand temps pour toi maintenant de te lever. Cesse de pleurer, le chemin est encore long. Papa, c'est facile à dire, mais difficile à supporter. Oui, c'est difficile, mais c'est ça la volonté et la pensée de Dieu. Dans la bien la Bible, batunyon soba lekisa batamba zole la lela kaka, kole la lela kaka, bien aimé, nzamba yal sabango, tika kole, kole la. Nzeleza mon laï. Premier exemple, Naomi. Le jour elle s'est levée pour avancer avec Ruth, c'était le jour de son changement. Après la séparation, après le départ de certaines personnes qui étaient tout pour toi, Dieu est capable de te faire vivre encore les temps les meilleurs,
adapte-toi et rentre dans le système de jeu de l'Éternel des armées. Kota na banzela nkolo. Mutuma lo balanga papa na comprendre le système en Nzambe. Comprendre oui. Après le départ du mari de Naomi, il y a Ruth qui peut venir prendre relève. Et Dieu dit à Israël, boleli pemi ming. Et comme ce temps pour comprendre ma solennité zalaka, c'est le temps maintenant d'avancer. Yaya, tu as beaucoup pleuré, change de langage maintenant. Tu t'es beaucoup lamenté, change de discours maintenant. À partir de cette semaine, cesse avec le langage de on m'a déçu, ils m'ont abandonné. Et ils m'ont fui. Il m'a abandonné en cours de route. Et mon partenaire m'a délaissé. Et mon collaborateur. Et mon travailleur. Bien-aimé. Il y a un temps où Moïse vient dans l'histoire d'Israël. Il y a un temps où Moïse devait laisser Israël. Mais cependant, Israël devait continuer avec sa marche. Maman, pour la bilamba matanga, là ta super wax. Zongisa make-up nanzoto yaya avancé. Tu as beaucoup pleuré. Dieu m'envoie te dire comme il parla à Josué. Moïse, mon serviteur, il est parti. Toi, lève-toi et avance de l'autre côté du Jourdain. Je t'attends. J'ai des choses à faire avec toi sans Moïse. Comme pour dire, ta vie ne doit pas s'arrêter parce que les gens ont arrêté de te soutenir. Ta vie ne doit pas s'arrêter parce qu'un fiancé a décidé de quitter ta vie et de trouver une autre. Ton espoir ne doit pas être englouti dans la mer parce que la personne qui te facilitait la tâche pour te trouver de l'emploi a refusé de t'aider. Vie nayo, histoire nayo, c'est une histoire de marche. C'est une vie en marche. C'est une vie en éternelle marche. Nene lokola Josué kolela lokola mwasi bolika monini moi Moïse amusalanga ngana retiré mais yo tato telemako sois courage et avancer. Là c'est Moïse, c'est Josué plutôt, c'est à Josué que Dieu parle. Un troisième exemple, aujourd'hui je vais pas beaucoup prêcher, on va beaucoup prier. Un troisième exemple, c'est le prophète Élie. Élie pleure encore. Azarumi bambanase. Nzambe na tikalinga moko. Je suis resté le seul. Le seul. Voilà qui Jézabel. Il me poursuit. Elle me poursuit. Elle a juré de me tuer. Prends-moi seulement. Ami Bambi dans ma belle. Nzambe bisi. Oh yaya. Tata. Télé mako. Oh. À cause d'une simple phrase de cette femme, tu te comportes de la sorte. Ozomi bamba na sozola la na zoyo kufa. Élie mon serviteur. Toi c'est la famine qui te dérange. Il y a un gâteau là-bas. Couille sur des pierres chauffées. Mange et prends la force parce que le chemin est long. Tu es appelé à avancer. À Josué Dieu dit tu dois avancer, tu dois avancer, tu dois marcher, le chemin est long. À Élie Dieu dit la même chose. Tu dois t'élever. Ce n'est pas la fin du monde. Ban piaka, ban zala, ban problème, ban difficulté au vivre. Au cancer au bomayo. Ce n'est pas la fin du monde. Mange encore les gâteaux et avance. Bien-aimé, que l'exhortation de ce matin soit une nourriture. Bien-aimé, comme un gâteau chauffé sur des pierres cuites. Et que ça te donne la force d'avancer. Dieu m'envoie te dire que tu as beaucoup pleuré. Tu n'avances plus. Tu fais que répéter la même chose. Mes colonies sont collées. Ngakutuba salingabo. Ngakutuba betingabo. Ngakutu ngengetube. Hey hey bébé bébé. Dieu n'avance pas avec des gens comme ça. Mutuba zusanga pasteur kala lozolo babu parce que des fois moi aux salama kop na yombo ngizo kota et yo parce fois aux anneaux ko bala na kutu célibataire et yo kutu zata na mwana moko kuna meba mbisu kutata mwa kwa zate et yo kutu zaboye parce que bien aimé écoutez. Moi, ma vieux, chacun a des problèmes, chacun a des combats, chacun a des situations difficiles. Des fois, si tu prends mes combats, toi, tu ne peux pas supporter ça. Hein? Des fois, on a un combat, on a un côté, on a un côté, chaque jour, chaque jour. Je vous ai donné l'exemple de l'homme de Dieu.
l'apôtre du Québec. Non, apôtre à Québec. Appelez-nous un exemple. A terre, il y a des gens qui sont venus, chasser des démons. Tu ne peux même pas t'imaginer qu'il était dans des problèmes comme ça. Dieu m'envoie te dire, mon frère, change d'attitude. Maman, change de langage. J'ai un thème de courage. J'ai un thème de responsable. J'ai un thème d'un homme fort. Je ne te vois pas. Je ne te sens pas. Est-ce que je parle seulement à quelqu'un? Est-ce que ce message est en train de passer? Un père de famille qui se réveille le matin, les enfants qui avaient l'habitude de lui dire « Papa, bonjour, maman, bonjour », mais ils ne sont plus capables de le faire. Ils n'entendent plus les sons. Ce n'est pas que les enfants sont morts. Ce n'est pas que les envoyés à l'internat. Mais on lui a confisqué les enfants. « Ah, t'as la boue, pas n'a pas zaté, mais n'a ton royaume, n'a t'es yo. Prends soin de tes enfants. Il m'a dit, t'as l'air tout. Ne pense pas que les hommes de Dieu sont des robots. Chacun a des situations. Mais quand c'est un canal par lequel Dieu te parle, c'est un esclave du Seigneur. Il est contraint de le faire. Parce qu'il a compris que je ne dois pas pleurer. C'est la marche, la vie d'un enfant de Dieu. Je dois avancer et je dois marcher. Si toi tu penses que tu es le seul à avoir des problèmes dans la vie, tu penses que tu es le seul à être déçu, à être découragé. Et ton histoire doit être racontée à tous. Si ce n'était pas la situation qui lui est arrivée là, moi et toi, on n'allait pas savoir ce qu'il traversait pendant ces moments. Maintenant, on le voyait là prêcher, monter, tout ça, tout ça. Mais entre-temps, il souffrait quand même dans son cœur. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est pourquoi je viens te demander ceci. Cesse un peu avec cette histoire. Le matin, tu es chez Mireille. N'akoutou déception. N'akoutou mbalu anabou inabou. Demain, tu es chez l'autre Mado. Et après là-bas, tu es chez tonton JP. Et après, tu es la même chanson. Bien-aimé dans le Seigneur, tu penses qu'eux n'ont pas de problème dans leur vie? Bandakou nyon sozo mono yo. Chacun a son histoire. Chacun a sa plaie. Chacun a sa douleur. Alors Dieu m'envoie te dire, cesse avec cette histoire de pleurer. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, toi Josué, avance. Parce que j'ai une histoire à écrire avec toi. Ne raconte pas tes faiblesses tous les jours. Quelqu'un me dit, papa, est-ce que c'est possible? Bon, je quitte d'abord l'exemple de l'homme de Dieu que j'ai donné. On rentre dans la Bible. Un jeune garçon l'appelle Joseph. Joseph a connu des coups dans la vie. Trahi par ses propres frères. Ils étaient ensemble. 11. Yaya. Donc, ce Boloki bagarre n'a pété à Joseph. Au moins, il y a 11. Yaya, il y a tout le film. Un film à cowboy. Il était dans cette chaleur-là. Ils passaient nuit ensemble dans la chambre avec les vieux. Eh, bon, là, va te bien dans la chambre. Hein? Moi, je vais m'asseoir, je vais te bien. Je vais te bien en bas. Je vais te bien. 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 C'est comme ça l'ambiance. Ses grands frères se décident de les vendre. Mais avant de les vendre, ils ont même hésité de les tuer. Le petit Joseph s'est adapté. Entre les mains des Madianites, il n'a pas pleuré. Il s'est adapté. En levant chez Potiphar, il arrive là-bas. Il s'est adapté. Montrez-moi un passage biblique où Joseph est en train de raconter, de se lamenter et de pleurer par rapport à tous les coups qu'il a endurés. Et parmi les coups difficiles encore, c'est celui de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar regarde Joseph. Petit, on va coucher ensemble. N'a pas eu l'occasion, passe en or. Joseph refuse. Elle prend Joseph. Elle l'accuse de tous les maux, violeur, tout ça. On l'envoie en prison. Quel jour Joseph a ouvert sa bouche pour pleurer?
ou bien pour se justifier. Par contre, dans les, en pleine prison, c'est lui qui vient pour édifier les gens. C'est lui qui vient pour consoler. C'est lui qui va pour réconforter ceux qui étaient abattus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Telle est l'attitude que Dieu nous recommande ce matin. Nana besoin mutumwa mitala loba banda lelo pasteur kalala natiki makambo kumile la lela na vie. Je ne me plaindrai plus jamais des départs de qui que ce soit tout autour de moi. Je ne me plaindrai plus jamais des gens qui m'ont abandonné en cours de route. Il faut que tu le dises. Je ne me plaindrai plus jamais des amis qui se sont retirés de mon association. Je ne me retirerai plus jamais des femmes qui m'ont laissé au moment où j'avais besoin d'elles. C'est des temps où Dieu veut te donner et te communiquer un sens de responsabilité. C'est des moments où Dieu veut te faire vivre une nouvelle façon, que tu aies de nouvelles perspectives, que tu aies une nouvelle façon de concevoir la vie. Ne regarde pas toujours le départ de Moïse comme un sujet de pleurs, comme un sujet de tristesse, comme un sujet de perte considérable. Oui, d'un côté c'est ça, mais Dieu a une leçon à te communiquer. Il veut que tu te prennes en charge. Dieu dit, Josué, vous avez beaucoup pleuré. Maintenant, c'est le temps de vous ressaisir et d'avancer. Parce que je continue à écrire l'histoire. Mais c'est avec vous que je l'écris. J'aimerais dire à quelqu'un, si un homme t'a soutenu pour construire des maisons, une femme t'a soutenu pour construire ton organisation, pour bâtir ton entreprise, pour bâtir même le ministère homme de Dieu, et que quelqu'un se décide de te quitter, c'est une perte, ça fait mal. Mais apprends à voir les choses de l'autre côté. Comprends que Dieu veut aussi te faire passer des disciples, de quelqu'un qu'on doit assister, et il veut faire de toi aussi un homme qui doit assister les autres. Dieu te donne maintenant un nouveau bâton de commandement. Tu dois prendre la relève. C'est que le temps que tu étais à côté de Moïse, c'était un temps de stage. Maintenant, devant les chocs, devant les coups, change ta façon de voir les coups et les chocs que tu endures. Comprends que c'est une marque de responsabilité que Dieu est en train de te confier. Maman, Pangusa Mayami Subandale. Bosana ba perte nyons. Bosana ba séparation pe ba départ nyons. Bosana ba to nyons so ba zaki très cher pour na yo. Ta vie ne doit pas se limiter à ce qu'elle pouvait faire pour toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui parla à Josué pour lui dire, Josué avance maintenant parce que j'ai retiré mon serviteur. C'est le Dieu qu'on appelle le maître des temps, le maître des circonstances. Il permet les rencontres. Il permet aussi les départs. Il permet la multitude. Il permet également le désert. Il permet, mes seigneurs, la gloire. Il permet également la zone de détresse, la vallée de Baca. Mais seulement, il faut que tu comprennes le langage et que tu t'adaptes. Comprends que ce n'est pas la fin du monde. Tu as une histoire à écrire comme Josué. Ce n'est pas Pasteur Kalala qui parle à Josué, mais c'est Dieu lui-même. Mon serviteur Moïse est mort. Toi maintenant, lève-toi, avance, traverse de l'autre côté du Jéricho, du Jourdain. Traverse de l'autre côté. Et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Je viens comme un messager de bonnes nouvelles. Te demander de prendre courage, papa. Vous allez à Bimba la Mateya.
au bout ça dit qu'il faut partager. Il y a partager quoi? Permettre peu mon ingalanda. Permettre peu mon ingalanda. Peut trop prier bien. On comprend maintenant que à partir de ces menus, bah ma cambo nzamba ko salana yo. Nzamba za capable ko bossa ni sa yo. Ma cambo yo. Moïse a salaki. Bien que tu aies la dette morale, bien que tu aies un bon souvenir, mais tu risques d'oublier. Tu risques d'oublier les pleurs et les moments de souffrance d'hier. Frères et sœurs en Christ, Josué va prendre le courage. Il cesse de pleurer. Il s'adapte maintenant dans l'attitude et selon la recommandation de Dieu. Et une nouvelle histoire commence maintenant avec Josué. Dans tout le ministère de Moïse, Moïse a dit qu'il y a Moïse qui est tellement. Moïse est tellement. Et il a bougé. Mais on a vu Dieu opérer ce genre de miracle avec Josué. Élie s'en va. Il s'arrête à 7 miracles ou 8 miracles. Élisée était un objet de moquerie. Bazo sekaye na ba fi na na ba 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 na ba pemé ya Jourdain. Bazo sekaye la les enfants de Jéricho. Papa Libengue, ton maître va s'en aller aujourd'hui. Ton maître va te séparer de toi aujourd'hui. Va se séparer d'avec toi aujourd'hui. C'est avec pleurs que Élisée a senti le départ d'Élie. Mais il reste avec la double portion d'onction. Il continue. Son maître a fait 8 miracles et lui va opérer 16 miracles. Le double de ce que son maître a opéré. J'annonce à quelqu'un. Au moins, il y a un bateau qui est très cher pour nous. Mon balle donc soyez donc moi soyez donc tu n'as mais quand quelqu'un se décide de t'éliminer, de s'éliminer, de s'effacer à côté de toi, mets-toi dans ta tête que Dieu te donne une responsabilité de percer et de foncer ce qu'il est sur le point de faire des choses sans eux. Mais il y a de nouvelles choses qu'il veut faire, il veut le faire avec toi et il est sur le point de t'ouvrir de nouvelles connexions et de nouvelles portes. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Moïse ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Encore une fois, jamais la place de Dieu dans ma vie. Moïse, tu peux opérer des miracles. Moïse, tu peux me faire manger la manne pendant longtemps. Je peux goûter la caille que je n'ai jamais mangée, cuisine à l'eau là. C'est bien, je ne l'avais jamais vécu. Je te suis reconnaissant, je ne serai jamais ingrat. Mais tu ne seras jamais Dieu dans ma vie. Après ton départ, ma vie va continuer. C'est pourquoi moi nzambe faut en allo lendo wana katna mutema na yo omye bakenda za yanza yanzambe. Et ça le lendo mon beau il faut en amo être fier d'appartenir à Dieu et comprendre que ta vie sur cette terre ne dépendra jamais d'un homme ni d'une femme. Alors ne permets à personne de prendre la place de Dieu. Après le départ de Moïse, il y a une histoire pour Josué. Après l'effacement de Moïse, il y a une histoire pour Josué. Après le départ d'Élie, il y a une histoire pour Élisée. Après que le frère de Joseph l'ait vendu, Joseph continue, sa vie continue en Égypte. Même après que la femme de Potiphar se soit débarrassée de Petit en le jetant en prison, l'histoire de Petit Joseph continue, même en prison, parce que les doigts de Dieu, les regards de Dieu étaient sur le Petit. Et je viens annoncer à quelqu'un, toi qui es victime d'une déception, d'une blessure intérieure, quelqu'un t'a maltraité, quelqu'un t'a humilié, quelqu'un veut te chosifier, il veut faire de toi comme un mendiant malheureux. Crie plus fort, jamais la place de Dieu dans ma vie, jamais. Nzamba rotika la kanza, nzambe na bomoina. Kopé sa amoutouté, tant, ya komi mona lokola nzambe na fina. Ya ni nyango ya ya. Naza ya nza, ya nzambe.
avance et cesse de pleurer. Kopé sa bango mutu makasite ya kukendra bisika nyonso metaka li solo. Eh kinga ni kupe. Eh kinga ni kupe. Bien aimé, il y a un temps où les gens peuvent aussi se séparer. C'est toi qui passes ton temps à pleurer. En se faisant des soucis, yaya robé l'attention. Non, mon abonné à l'hôpital, non, je t'aime. Mon abonné à la photo, moi, je suis un peu plus boy. Moi, je suis un peu plus boy. 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 Abotama bongote. Nini. Et l'ingé pas ce qui en est. Trop de soucis, trop de stress, trop de raisonnements. Il y a des personnes qui savent mortifier les cœurs des autres. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, si tu as moi un franc, moi deux francs, les lobby, les gens qui se retirent, donc on a besoin au koufa kaka obete là. Moi, c'est mon bal bakabwani, on a besoin mon inga à comme un lambo. Il y a des parents, des frères, des amis, des familles. C'est tellement lui qui te soutenait. Il veut que tu restes toujours sous ses pieds. Et si Dieu veut te visiter, on va dire que pas moi mon kebo, abandiko lokayo, erreur quand elle est au monde à vinayo, abandiko mortifier yo par rapport à lokwana, pour que tu sois toujours dans des stress, dans des pleurs, obanako misala mawa, obanako milela lela. Quand tu es dans cette attitude là, lui agent de ténèbres, azako bin azako sepela, ndekolanga, apprends à ne jamais développer cette attitude, ba obomo avant. Au coucou avant, au coup précipité, ma maladie est belle, au bénin, ma maladie est belle, na vie na yo. Apprends à comprendre que tu es un fils de Dieu. Avec toi ou sans toi, ma vie continuera. C'est l'attitude que tu dois adopter à partir d'aujourd'hui. L'ongo la qui t'embala ma tangue, l'ongo le longa ma wa, la te longa fête le malon papa Moïse Matuta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Talandeko, zongila make-up na yo. Zongila make-up. Mwa mbongi tikaliki nda luka parfum bien, tchana nzoto. E lamba ki toka fetu wana, lata yango, habitua bien. Et marche désormais comme ça. Tu verras le Dieu que je te prêche sur ton chemin. Quatrième ou cinquième personne avant qu'on ne prie, à qui Dieu dit également la même chose. C'est le paralytique à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5. Dans ce cas, ce exemple, nous pouvons comprendre que c'est ça la vision de Dieu pour ses enfants. Le papa qui était là, paralytique à Bukanamakolo, qui kata, incapable de se plonger dans l'eau lui seul pendant 38 ans. Des personnes en qui il avait l'espoir, qui lui donnaient l'espoir qu'un jour, de que Sangana, de Memu, de Welisipi, de Kotsu, de Namai. Toutes ces personnes se sont retirées. Bami Benda Benza. Moi, Benda. Kikata Tikaliemo, Yandimos. Yandimos, Benza, donc, Yemoko. Tous ceux qui m'avaient soutenu sont partis. Venez m'aider, venez. C'était la chanson du paralytique à la piscine de Bethesda. Il a failli perdre même la visitation divine à cause de cette attitude-là. Ne t'enterre pas, va ton temps. Quand Jésus-Christ arrive, il lui dit une seule chose. Prends quoi? Ton lit. Quand les gens sur qui tu comptais sont partis, il y a des gens à côté sur qui tu n'accordes, auxquels tu n'accordes aucune importance, aucune valeur, qui peuvent remplacer automatiquement. Donc, disons, na philosophie na nzambe babilo ko lokola oya yo wana yaba ya ko lela na linga ngote mtozo kende na vina zo kende wa un débarras ndeko nanga comprendre que dans mon système je récupère ce qui était inutile, je récupère ce qui était banal et j'en fais des instruments de valeur.
tina te koma ganati na tina mbeto ezala ki sans valeur pona papo yo paralytique yeso atalise ke mbeto zo mon eza pamba pambo mi soutena yo zo yango et continue auprès de Dieu. Ne restez pas stationné auprès de Dieu, dans la philosophie de Dieu, on restait pas stationné au tsika bisika morose rolela lela ndero longole le bona litama obela gastrite ensemble la pona yo gastrite comme mayo hein. Parce que nza gastrite abuzoba. La Bible dit ceci: qui d'entre vous, à cause de ses soucis, à cause de ses inquiétudes, a pu augmenter le nombre de ses cheveux? Abaxi ceux qui n'ont tout naï parce que mes saliba souci comme kun d'avant. Et ce monde ba souhaita rando ufa bongo. Eh aya. Dans ce monde actuellement, mitemi komi mabe. Ndoko mona mutoaza komata. Ba rosala tout ba koisaye. Joza ko kweya mitema te sepili. Je vous dis la vérité. Quand le fer est en train de monter, ba baza ko yimayima. Kweya kaka lo ba. Là, nous prêchons, on insiste. Prêcher, partager, permet à quelqu'un. Et pourtant, on dit des choses qui édifient, qui soulagent, qui fortifient et qui affectent positivement. Pour te faire sentir que c'est comme ça. Alors pendant que toi tu pleures là, tu penses que les gens auront pitié de toi parce que tu pleures. Bah c'est kakayo yaya. L'isolo na yo banda kumios ba yebi. Tout le monde sait là-bas qu'on te maltraite chez toi. Tout le monde sait là-bas que toi tes enfants sont impolis, des voleurs. Tout le monde sait là-bas que ta femme là elle est impolie, insolente. Tout le monde sait que toi tu traverses la misère la plus noire. Tout le monde sait. Tu pleures partout yaya musala buzoba. C'est de la peine perdue. Après ton départ, il se moque de toi. Le monde va te clouer. Je te dis qu'ils vont partager les jours où tu seras dans la détresse là. Ils vont multiplier des partages. Là où on insulte les gens, là où on dénigre les gens, là où on parle de la faiblesse des gens, surtout des personnes élevées. Mais maman n'a pas partage. Mais là, c'est bien fait. Là, les choses de Dieu sont bien. Il y a de l'honneur. Bah, partage mon cœur. Namoni matanga pasteur Moïse Mbia. Maman organisation. Quel décor. Les honneurs. Tu sens que c'est à l'église, mais c'est comme s'il avait organisé au palais du peuple. Reportage, tout ça. Organisation, accueil. Tu sens de l'excellence. Combien de partages? Combien que tu as la combien de partages? Mais quand c'était Gégé, na Google kutu baluki ba baksi komba Gégé na kati baluki ba baksi sango boye. Recherche dans le monde et mati pflo to ya kuluka Gégé. Mais quand c'est des bonnes choses qui sont faites, miettes. C'est qu'on en a besoin de les rapports en pambo. Pendant mon kili, et que l'homme a mon kili abondé, et que l'homme a. À partir d'aujourd'hui, ne promène plus de regard inquiet. Tu perds quelque chose. Sois courage. Comprends que Nenzan va séparer les locaux. Azo remplacer mon juge. Dieu parle au paralytique de Bethesda dans Jean 5. Il dit comme ils t'ont abandonné. Regarde à côté, tu vois quoi là-bas? Je vois Lily. Elle prend Lily et fait quoi? Avance. Le temps, c'est de l'argent. Récupère le temps. Ressaisis-toi. Prends le moral. D'un tour dans ce qu'on a prié. On a été mis sur le côté de la sambe. On a été mis sur le côté de la sambe. On a été mis sur le côté de la sambe. Donc, sois maintenant prêt à prier. Donc Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, tu as beaucoup pleuré. Amonima Amis, nous étangis trop.
Tikala kana la même histoire obeta partout tambula kana même misolo. Il faut changer ce qu'on a loba, au changer attitude, que tu changes de comportement, que tu changes de langage, que tu changes même de raisonnement. Tu peux même changer de milieu, tu peux même changer de milieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse richement. Élève ta voix, dis à Dieu merci. Merci de m'édifier, de me fortifier, de me réconforter. Merci de m'exiger. Dieu t'exige de changer de langage, de changer d'attitude et de cesser de pleurer. Tu dis à Dieu merci pour ce message qui est un ainsi dit l'Éternel pour moi. Merci Seigneur Dieu pour ce temps favorable. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Avant de créer quelque chose, il parlait. Quand il prononçait, que la lumière soit, et la lumière venait. Donc, quand Dieu te parle comme ça, comprends qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle avec toi. Il est sur le point, il t'attend devant. Ne promène plus de regard inquiet, regardant derrière comme la femme de Lot, comme à Libanga. Mais regarde devant. Libosonde, il faut t'aller. Dis à Dieu merci pour cette parole qui est pour moi une pierre et un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Tu lui dis merci Seigneur de me parler. Dieu n'est pas d'accord avec ton attitude. Tu vas dire à Dieu merci pendant une minute ou deux et après on va revenir. Je te donne un autre sujet de prière. Que Dieu te bénisse. Concentre-toi maintenant, on nous augmente le volume ou le son de la musique et dans l'entretemps, toi tu élèves ta voix pour prier. Prie pendant ces restes de minutes jusqu'à la fin de l'émission, on va prier, prier, prière sur prière. Suis attentivement les sujets. Je te demande de cesser de pleurer. Musique s'il vous plaît et toi élève ta voix, commence à dire à Dieu merci. Prions au nom du Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Et Yahweh, nous te disons merci. Nous nous rapprochons de ton trône pour te célébrer et te magnifier. Nous nous rapprochons de ton trône pour t'exalter et te bénir. Papa, merci de nous parler. Merci de nous interpeller. Merci pour ce bon moment, Seigneur. Merci pour ce gâteau. Merci pour cette pierre, ce gâteau cuit sur de pierres chauffées. Papa, merci parce que j'ai compris que tu me connais. Tu connais la condition et la situation que je traverse. Tu connais combien j'ai cessé de pleurer. Je n'ai cessé de pleurer par rapport aux coups difficiles, aux coups bas que j'ai orchestrés ces derniers temps dans ma vie. Merci de m'aimer, de me parler. Merci de m'avoir fortifié. Pendant ce moment de déception sur déception dans le fiançailles, déception dans le fiançailles, déception dans le travail, déception dans le foyer, déception dans le ministère, déception dans mes activités. Père éternel, merci de me fortifier. Merci de me réconforter. Merci de me localiser. Merci de tourner tes regards sur moi. Merci papa. Merci mon Dieu, mon roi. Tu m'aimes et je suis plus que convaincu que après avoir parlé, il y a toujours quelque chose qui s'est fait. Avant de créer, avant d'opérer, tu passes toujours par la déclaration. Et cette parole de ce matin, c'est une parole, une déclaration en ma faveur. Je crois fermement. Je crois fermement que tu m'as parlé. Je crois fermement. Merci pour ce gâteau. J'ai beaucoup versé des larmes. Père, merci de parler à ton fils qui a beaucoup versé ses larmes. Merci de parler à ta fille qui a beaucoup pleuré. Elle s'est beaucoup lamentée. C'est le temps pour toi de lui faire comprendre et de me faire comprendre aussi que tu es sur le point de faire une chose nouvelle. Tu es sur le point de changer. De changer. D'atmosphère, de changer des zones, de changer des réseaux, de changer de mode de vie et de tourner une page nouvelle.
Bien-aimé, je vois une page en train d'être tournée dans ta vie. Père, merci. Merci de tourner une page dans la vie d'un bien-aimé avec qui nous sommes en train de prier maintenant. Hey, Papa, ça va. Merci parce que tu as décidé de faire cesser des pleurs dans la vie d'un bien-aimé. Seigneur, merci. Merci d'arrêter les pleurs dans la vie des personnes. Merci pour une nouvelle histoire, Seigneur, qui est sur le point de commencer dans la vie des mamans, dans la vie de ce papa, dans la vie de ces jeunes hommes, dans la vie de cette jeune sœur. Tu es en train de tourner la page. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour la nouvelle page? Tu peux dire à Dieu merci pour une nouvelle histoire? Bien-aimé, exprime ta foi. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Papa, merci pour la page Yassika. Merci pour l'histoire Yassika. Merci pour une nouvelle histoire que tu es en train de refaire avec moi. Yahweh, je te dis merci. Tombola les sous Nzambe pendant une minute. Wana misi kwa nezako beta. Yozako tombola les rois des rois. Ozako adorer le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour une nouvelle histoire. Merci pour de nouvelles opportunités. Merci pour l'avenir qui est heureux. Merci pour l'avenir qui est meilleur. Papa, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Papa, il y a une expression de reconnaissance dans le son. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons pour une histoire nouvelle sur le point d'arriver. Fini les temps des pleurs, fini les temps des chagrins, fini les temps des déceptions, fini les temps des blessures intérieures. C'est le grand moment pour moi de commencer une nouvelle histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mon fils et ma fille, soyez bénis. Papa et maman, recevez la grâce. Toi qui pries bien, reçois la grâce de Dieu. Toi qui pries bien, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps pour pleurer à Moab. Tu étais à Moab hier. Il y a un temps où tu es là avec les gens de rien comme Jephthé. Un temps où Jephthé a promené des regards inquiets. Ah, ma petite n'a pas tout fait dans la bango. Tout n'a tout qui est au chasse, tout kangi bandeke. Ensemble, on a petit dans l'accent, on a boire, on a tiré, on a bandé, on a bandé, on a ligné ensemble, on a lié. Il y a des moments où maman est partie, papa est sorti, dans la carte, on a bouqué sa camagnon, on a mis la maille, on a mis la maille, on a mis petit. Nous avons rendu petit, on a mis la côte en Antsoki, on a mis cessé. Il y a quelqu'un qui dit papa, on ne comprend pas. Jephthé est en train de se plaindre. En sortant de la maison de ses parents parce qu'il était chassé par ses petits frères. Les petits frères se sont rassemblés pour lui dire, « Yaya, tu es un enfant bâtard, tu n'hériteras pas l'héritage de notre père. Va-t'en, va-t'en, tu n'as pas de place ici. » Et Josué pleurait, se souvenant de tous les moments qu'ils ont passés, de la gentillesse, de la tendresse, des bonnes œuvres qu'il a eu à poser à l'égard de ses petits frères. Des fois, c'est lui qui préparait pour eux. Quand ils partaient à l'école, ils étaient fatigués. Des fois, c'est lui qui les soulevait. Il disait, je soutiens mes petits, ils sont fatigués. Or, dans leur cœur, ils méditaient des coups bas. Et Jephthé est blessé, plus que blessé. Il est allé se rassembler avec les gens de rien, des pauvres. Abandonner l'histoire. Papa, maman,
Dieu t'attend là-bas. Les petits frères de Jephté ont dit c'est fini pour toi. Mais Dieu, le Dieu de Jephté, il attendait devant. Dans un rassemblement de gens de rien. Ne t'enterre pas, papa. Ne t'enterre pas, mon frère. Toi qui es victime de trahison. Dieu t'attend. Il y a un rassemblement de gens de rien. C'est là où Dieu t'attend. Le lit que tu ne considérais pas, Dieu accorde de l'importance à ce lit-là. Et Dieu paralytique, prends ton lit et marche. Tes pensées ne sont pas ses pensées. J'aimerais que tu pries maintenant avec moi. Pour dire à Dieu, c'est un exercice difficile, Yahweh. Mais soutiens-moi. Aide-moi. Je sais que c'est un exercice difficile, mais soutiens-moi seulement. Et aide-moi à m'adapter comme tu as aidé à Jephté. Comme tu aidas à Jephté de s'adapter, aide-moi aussi. Mon témoignage est mis en déception. Bien-aimés, tous, ils avaient un seul langage. Et c'est dans ces conditions que Jephté est sorti. En pleurant. Courage à moi, non, bah, les mains, ils m'ont mis sous terre, mais dès mes âmes, ils ont saigné. Je parle à une personne dont le cœur est en train de saigner maintenant. Tu as des blessures intérieures. Mais devant, Dieu l'attendait. Des fois, pendant que je parle, tu n'as aucune garantie. Aux autres, t'as la papa, mais mon tour de pensée, dans une vie facile, pensée la bonne. Mais mon tour, t'as la titi, c'est quoi? Côté aux hommes qui viennent à passer au bon moment, des côtés des hommes qui bon ça. Et Jephté partait, les regarde comme ça, les gens qui l'accueillent, des petits chégués, des personnes instables, des personnes sans base. Il s'est dit ah ça, c'est comme c'est pour ma mort, ça c'est comme une terre de ça c'est un désert pour moi. C'est comme je vais mourir ici là. Est-ce que je vais vivre seulement? Mais c'est là où Dieu l'attendait. Je t'annonce. Que ton avenir, bien que tu n'as pas de preuves, ça n'annonce aucun signe qui puisse te rassurer. Mais sois rassuré à cause du Dieu qui t'attend. La présence de Dieu devant toi te suffit. Tu vas dire à Dieu, Père, je me jette comme Jephté. J'affronte l'avenir sans aucun signe pouvant me rassurer, mais je me jette dans le vide. Jette-toi dans les vides, comme le disait Jean-Louis Jaillet, cet évangéliste des puissants français, et le Seigneur te soutiendra. Jette-toi dans le filet, dans le groupe des gens derrière. Regarde, avance avec le peu de fonds que tu as. Lance-toi dans des grandes affaires. Ne sous-estime plus ce qui est à côté de toi. N'attends pas les grandes choses. Dieu a créé Adam. Grand avec la barbe, capable déjà de se reproduire. On n'a pas vu Adam passer au stade juvénile. Adam a échoué. Le premier Adam, le Adam de Adam et Ève. Mais le deuxième Adam, Dieu a décidé, bien que je sois un Dieu créateur, mais je dois passer par l'enfantillage. Naya bébé, Nali mon mari. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Il a reçu sa mission. Il a sauvé l'humanité. Très souvent des grandes choses. Tu veux commencer grand. Il y a biloko aminene mbalamoko, commerce fond ya munene. Et ngana mesana muta biloko aminene ndeko nanga nazolo bana yo, ya minene wane ke nakokufa noki. Posez la question aux juifs, les hommes les plus riches du monde. Lisez les livres, il faut lire. Les écrivains juifs, les hommes d'affaires, ils ont écrit. 90% d'entre eux en écrivant, ils ont fait comme expérience et sont arrivés à la conclusion selon laquelle les hommes d'affaires qui sont grands, la plupart d'entre eux ont commencé par des petits fonds. Babanda le collager à Lyoto, le collager. Le collager. Non, on a chantre, mon quoi. Il y a une chantre là. Le nom m'échappe. J'ai vu cette chambre là. Elle a commencé à en dire le regard en sans position, petite on a persévérante na banzem bonaye, il m'a rasé ta moi piano naye, rasé ta moi piano naye tous les jours à sa intercession naye.
pas bando tel ami soit mawa bamna moi passe dans mon tema aujourd'hui bien aimé Seigneur. Elle est de mon pays, elle a des millions certifiés même dans ma Facebook. On appelle ma tata ni bimba babana ma mwanza me kala certificat que toi il y a Facebook bazoate. Aujourd'hui Dieu l'a honoré. Il balané qui toko musala me bandi a joué en pleurs père fan de maman à se classer dans la cour des grands. Mais regarde, il y a cela 5 ans, 10 ans. Tu as Facebook, tu as un monde, tu as un monde, tu as mais persévérante. Oh maman, tu as un que Dieu te bénisse, ma soeur. Le nom m'échappe encore. Tu as un monde, tu as un monde, tu as un Dieu l'a honoré. Toi, tu regardes la forme, tu regardes les départs. Papa, départ, il y a un monde, il y a un monde, il y a changé de monde. Jette-toi dans le nez, avec les gens de rien. Dieu te fera de toi un héros, un héros, un héros. Comment héros? Dis à Dieu, Père, donne-moi ce cœur-là que tu as donné à Jephté. D'accepter de commencer avec le faible commencement. Est-ce que tu peux prier, demander cela à Dieu? Élève ta voix pendant 2 belles minutes. Seigneur, dans un moment thématique, que tu saches t'adapter, que tu saches te jeter dans le vide avec le peu qui se présente, avec le peu de moyens, des petites ouvertures, fais déjà quelque chose. Moïse, Dieu lui pose la question, qu'as-tu en main? Moïse dit, j'ai un bâton. Moi, je suis le Dieu qui fait avec ce qui est disponible. Il y a mon kéza disponible, on est en salé là. Élisée pose la question à la femme, qu'as-tu à la maison? Un peu d'huile, hein? Ne va pas d'abord chez les voisins. Commence avec ce que tu as là, ce qui est déjà disponible. Il regarde de partir à la piscine Bethesda. Il dit, mais tout le monde est parti. Mais à côté, il y a quoi? Il y a le lit. Le lit n'est pas parti. Allez, prends ton lit. Un Dieu qui se sert des choses les faibles, des choses viles, des choses sans valeur, mais qui les transforme, qui leur donne de la valeur. Tinate, et ça n'a pas la besoin d'âme. Tombe la voix na yo, loba na nzambe pesanga force, pesanga courage, y'a quoi affronter à venir avec le peu qui est disposé, avec le peu de fonds de commerce, je me lance dans une affaire, avec le peu. Voyage aux États-Unis pour m'amiter, mais voyage à Simanda, Ozawa, Turquie, Zamboussika na hôtel, banda na Turquie. Chine, Dubaï, mon ente, pendant la Turquie, pembe na yo, attendez la makolo kende, zoa métro, quand il sera pas métro, 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 au comment. Tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Allez, commence à prier, demande cela. C'est ce qui t'a manqué pendant des jours. Voilà pourquoi tu fais du surplace. Tu vas prier de tout cœur. Dis à Dieu, c'est le courage. J'ai besoin de ce cœur. Un cœur courageux, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Pas une, je ne sois plus une femme plaintive. Je ne sois plus un homme qui pleure tous les jours. Mais que je sois courageux, que je sois déterminé pour que j'avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Éternel et Dieu des armées, merci Seigneur pour cette foi, merci pour ce courage, merci pour cette détermination. C'est le temps pour moi de me lancer dans les affaires, de me lancer dans l'exercice, de me lancer dans l'œuvre. Père éternel, je vais me lancer avec le peu de moyens, le peu des ouvertures, les petites portes que tu m'ouvres. Seigneur, je me jette dedans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, n'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Prends de nouvelles initiatives, prends de nouvelles décisions. N'attends pas que tu aies un grand fond. Jette-toi déjà avec le petit qui est disposé, disponible entre tes mains. Prions, demandons le cœur de Jephté, demandons le cœur de Joseph, demandons le cœur du paralytique de Bethesda qui a accepté de s'élever avec le lit qui lui considérait inutile. Demande le cœur de Zachée qui s'est lancé sur le sycomore pour voir Jésus. Désire le cœur de Bartimée qui n'a pas cédé au découragement des géants, des personnes qui voyaient clair. Bien-aimés, les hommes qui voient clair ne voudront pas te laisser voir aussi clair comme eux. C'est pourquoi tu ne dois plus te laisser faire. Demande à Dieu un cœur de courageux, un cœur de courageux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, me voici devant ton trône. Nabele Minzambe, Kosenga Motema Yassik, donne-moi un cœur nouveau. Donne à ta fille un cœur nouveau. Donne à ton fils un cœur nouveau. Eyaba Sakandara Kora.
Baba, Rokoya Baba Seke, Rokandaria Kora Baba, Nzambe, transforme Moutem, Lomola Kobanga, Lomola Badoute, Seigneur, ôte les doutes et les découragements du cœur, dans le cœur de cette maman, de ce papa qui a toujours peur d'affronter l'avenir. Il comptait ce qui est sur les autres, il pensait que sans les autres, il ne pouvait rien. Seigneur, communique à quelqu'un un cœur nouveau par rapport à cette exhortation, par rapport à ce service, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, daigne le Dieu Tout-Puissant te localiser. Que le Dieu que je prêche te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant accomplisse cela dans ta vie. Tu me donnes un amen plus fort. Que le Dieu Tout-Puissant réalise cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Comme Naomi, elle a compris que si je m'éternisais ici à Moab en train de pleurer, rien de bon n'arrivera. Dieu est en train de visiter son peuple là où j'étais parti. Dieu, dans sa façon de faire, il peut également te demander de revenir à ce que tu avais abandonné. Il peut également te demander ou te recommander de repartir à la terre que tu avais délaissée hier. Et il te faut le coup, le courage. Naomi était butée à une difficulté énorme qui fait que beaucoup, Dieu les reconnaît à leur terre de départ. Ma belle Osundolaki, ne ma belle Nzambazo reconnaîtrait. Dieu visite de nouveau Bethléem. Ah, na longwa Bethléem, na zegna mobal nanga, na zegna mwasi nanga, na zegna bana nanga. Maintenant, je dois repartir à Bethléem les mains vides. Eh, quel obstacle! C'est ça le plus grand problème pour certains. Les gens vont dire, et on a vu que c'était ça le plus grand combat de Naomi. La Bible dit, quand elle entre à Bethléem et Fata, les femmes viennent. Elles étaient contentes de la voir de nouveau. Bazouana langage à bien. Bazouana rosepela. Ils viennent dans la joie de retrouvailles. Mais malheureusement, elle, dans sa tête, culpabilisée, blessure et dette morale. L'Abbé dit, elle a transformé cette rencontre-là en pleurs et en deuil. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a privé de ce qui était cher dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. De yozo comprendre de karté que ses yeux changent. Tu n'es plus à Moab, tu es maintenant Bethléem Fata. Naomi, change d'attitude quoi. Nanzambazo kama et tabana mimi susu. Na longo le rota o le la le la el susu mani su matanga wa le susu. Dieu t'annonce à travers cette exhortation que c'est des moments de gloire maintenant qui arrivent. Kota la forme zoyé la terre. Eh, ne minimise pas le faible commencement. Dieu m'envoie te dire que c'est une nouvelle histoire qu'il est en train d'écrire avec toi. Arrête avec des pleurs. Tu es déjà Bethléem Fata. Voilà que la petite Ruth a compris. Elle s'est adaptée. Ruth a tali maman Bokilo a dit, hé maman. Maman, ici c'est pas. On n'a plus de temps à perdre. Il faut te zoager. Maman, zoager. Adapte-toi. Dieu m'envoie comme un prophète te dire, il te fait rentrer dans une nouvelle saison. Récupère, saisis ta saison. Les gens viennent te voir, ce n'est plus pour entendre des pleurs. Homme de Dieu, tu as été déçu. Tu reviens des problèmes, des situations difficiles. Ta prochaine apparition aux médias, ne pleure plus. Ainsi dit l'Éternel, tu es là, tu m'écoutes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme qui a permis que tu me suives. Place aux arana, il va que passer à la laser en zamba, au bel en tant que prophète. Prochaine apparition, na yo, na média,
couler les soutés. Sors pour prêcher. Sors pour prêcher. Parle de Dieu. Parle de ton Dieu. Prêche. Ne te culpabilise pas. Pas par mon ananas impudique. Pas par mon ananas mouhibi. Pas par mon ananas brigand. Lève-toi et parle encore de Dieu. Prêche l'évangile du Seigneur. Si Dieu a permis que tu sois vivant, c'est parce que ta voix peut gagner une âme. Okuté ya peut pas bon le mot témoin. Partout où tu te trouves, je me souviens encore d'un frère. En Afrique, on l'a arrêté prisonnier. Il a accès à la télévision parce que c'était un jeune qui prêchait à la télé. Il est en prison. En pleine prison. Quand il est sorti de la prison, il a une image. Il a baptisé les gens là-bas. En toutes circonstances, comprends que c'est une opportunité. Alors ne présente plus les deuils. Attaque médiatique, prêche encore l'évangile. Parle. Si mille ne vont pas écouter, il y a une brebis du Seigneur qui sera sauvée et le ciel sera glorifié. Mon frère, que personne n'est tenté. Mais il faut comprendre et s'adapter. Fais comme Joseph. Na boloko, on a pas se plaindre, mais on a sauvé Batou. Toi là, je t'ai pas vu de bonne humeur. Maman a blessé des guerres. Mais il est en train de se préoccuper de l'attitude, de la souffrance des autres. Dieu a fini par le payer. Une occasion se présente devant toi. Ne présente plus de regard inquiet. Dieu est contre ça. Naomi veut commencer encore de pleurer en plein Bethléem et Fata. Yaya, écoute la saison cicatée. Adapte-toi. La petite Ruth à Boukanate, Aya Benabou, maman Bokilo. S'il te plaît. On a beaucoup pleuré là-bas. J'en ai marre de cette gymnastique-là. J'en ai marre dans l'Embi. Il y a un miss les Lembi déjà relais là. Ayo peut-être ma tante mesa relais la mingi, il Lembi mingi, il est là non mais moi ici là, c'est plus les pleurs. Maintenant c'est le temps de travailler. Elle va parler à sa belle-mère. Maman, moi c'est le temps d'aller travailler. Prie pour moi. Je sais que ta bouche là n'est pas faite pour des pleurs, mais tu as une bouche capable de me bénir. Prie que ton Dieu me fasse trouver la grâce et la faveur. Qu'il m'ouvre une porte parce que nous sommes sur la terre des opportunités. Si Dieu n'a pas permis que tu meures hier, c'est parce qu'il a des choses à faire avec toi aujourd'hui. Alors ne passe pas ton temps à pleurer alors que tu as des choses à faire avec Dieu. Banda qu'on réalisait ma projet à Sika. Si Dubaï a échoué hier, c'est que Turquie t'attend demain. Et mon pote, tu as été tazinia, parce que moi, ma basket a bien Jordan. Ok, pendant qu'on a été Jordan dans la cause, je suis original. Ok, pour Chaïboué, qui toque, on s'est retrouvé. Commence à développer des bonnes mentalités, des bonnes idées. Plus question, tu vas t'enterrer avant. Naomi est gozoagé. Au lieu de continuer à pleurer, je suis Mara. Dieu m'a rendu Mara. Dieu m'a châtié. Au lieu de continuer à pleurer comme ça, change de discours, change d'attitude. Et Naomi est rentrée dans le système des jeux. Elle a compris que maintenant c'est l'organisation. Après des moments de pleurs, Dieu nous a préparé aussi des temps de nous réorganiser. La saison de gloire, la deuxième faveur. Elle a commencé maintenant à comprendre. Il me reste 5 minutes. 1 minute d'exhortation, 4 minutes de prière. Elle a compris. Et elle s'est adaptée. Depuis ce jour-là, elle a changé de vision. Elle n'a plus pleuré jusqu'à la fin de sa vie. Elle a compris que maintenant, je suis dans la dimension de coach. Je dois coacher la petite. La petite qui va consoler mon cœur. La petite qui va me prendre en charge dans ma retraite. La petite qui a le cœur de me soutenir. C'est un remplaçant. Dieu l'a remplacé à la place de ceux qui sont partis. L'homme doit s'adapter et comprendre la dispensation nouvelle, la nouvelle saison. Et s'adapter à la saison que Dieu met devant lui.
Malheur à toi si tu ne peux pas t'adapter. J'insiste et je le répète, ne promène plus des regards inquiets, change des discours, change ta façon de voir les choses et Dieu t'accompagnera par rapport à cette nouvelle attitude que tu vas afficher. Ozo attitude ya sika sikoyo. Là t'as bien, solo là qui toque, collabore, sois ouvert, vis comme si tu n'avais jamais vécu auparavant, vis comme si tu n'avais jamais été déçu. Donne encore confiance. Moni fiancé Azo Yasiko, Aza Yayate, c'est pas un escroc. Dieu te donne un homme digne de ses noms, qui va te faire oublier toutes les souffrances d'hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois le travail que Dieu te donne maintenant là, c'est pour te faire oublier des pleurs. Je parle à une femme qui n'est jamais tombée enceinte, ou bien toi qui tombais enceinte et qui faisais des fausses couches. Moni zemi ozo zo touro. Ya zemi okene tina 9 mois au boti. Maramte ke o muteme tiki ko sala. Eh ma yebimi ma kile tangi mingi. Eh l'enfant est en train de perdre, l'enfant s'est dissous dans le ventre. Biloko ano vivant mo soute. Adapte-toi. Crois-y et tu verras Dieu t'accompagne. C'est pas facile, mais c'est possible. Naomi s'est battue en elle-même, elle a fini par s'adapter. Elle a vécu la faveur de Dieu. Elle a vécu une retraite, bien aimée, sans précédent. Une retraite d'abondance. Elle a vécu dans la consolation. Je ne peux pas dire qu'elle a oublié ceux qui étaient morts. Mais déjà, Ruth, que Dieu lui avait donné, a joué de beaucoup dans sa vie. Et elle l'a aidé à passer une retraite excellente. Ruth est disponible également pour toi. Au moins, bah souci, bah blessure, bah humiliation, bah ex, non, bah la qui s'aille, bah de toutes les couleurs. Y'a bah bas, y'a bah namike, y'a mindele, y'a minene, y'a milayi, y'a mikousse, y'a ben poli, bah fingarayo. Tout ça, tu as vécu des blessures. Je sais que tu es plus que blessé. Crois que la personne que Dieu t'envoie maintenant là, c'est celle qui va essuyer toutes tes larmes. Papa, moi je ne veux plus travailler, je suis déçu du travail. Je te dis que le travail que Dieu te donne maintenant là, va te faire oublier toutes tes pleurs. Élève ta voix et dis à Dieu, je reçois cela. J'accepte cela et je m'adapte. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi. Dis à Dieu, papa, j'accepte. Papa, je m'adapte. Papa, je me bats pour vivre comme Naomi. Naomi a compris que ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le temps de coacher Ruth. Elle a commencé à le faire. Et en coachant Ruth, Ruth a eu un mariage heureux. Naomi change de discours. Celle qui disait que j'étais marre, mais elle a pris conscience que j'ai de l'expérience pour coacher. Je suis une coach. Je dois coacher cette petite. Elle dit, je te rendrai heureux. Je suis décidé de faire de toi une femme heureuse. Et toi qui étais marre, marre est transformée en eau douce, en eau de vie, en eau capable de rendre une personne heureuse. Tu as besoin que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a de ces gens qui ont du mal à se croire, à s'accepter. Vu les échecs d'hier, vu les déceptions d'hier, vu les coups ratés d'hier, tu as du mal. Homme de Dieu, ressaisis-toi. Voilà que celle qui avait dit quelques jours de cela, quelques heures de cela, je suis Mara. Mais elle a changé, elle a compris parce qu'elle a été affectée par la petite Ruth. Elle a compris que j'ai quelque chose de valeur à communiquer et à libérer. Je rendrai ton avenir heureux. Elle a libéré ce qu'elle avait en coachant la petite. La petite, elle lui dit, petit, ça semble trop. Parola citron. Sokoli. Kata ba poil. Nasa ma peka. Parola citron. Et l'ongola solamunjoto. Solamutoki. Zwa déodorant. Parola na bilamba. Parola mafuta. Et puis la nuit, vers 4h du matin, va se mettre couché à côté de ce vieux Boaz là. Tu verras toi-même ce qu'il fera. Maman a maté, ma longue à suivre. On s'arrête là. Il est temps. On doit s'arrêter. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'est à suivre.
Ce sont des choses que vous allez suivre maintenant sur notre compte TikTok, dans Évangile au quotidien. Vous allez suivre ça également sur notre chaîne YouTube, dans Évangile au quotidien. Notre compte YouTube, c'est Patrick Kalala. Je pense que désormais, vous allez suivre, c'est Patrick, ça servira Patrick Kalala Ministry. Notre compte TikTok, c'est Patrick Kalala officiel, qu'on va tenter d'adapter à Patrick Kalala Ministry aussi. Comme notre page Facebook, c'est Patrick Kalala Ministry. J'aimerais que tous les trois puissent avoir la même nomenclature pour faciliter la tâche aux gens. Comme ça, que ce soit sur Facebook, vous venez nous chercher sur Patrick Kalala Ministry. Sur YouTube, vous venez nous chercher sur Patrick Kalala Ministry. Sur TikTok, vous venez nous chercher sur Patrick Kalala Ministry. Mais pour l'instant, TikTok, c'est Patrick Kalala officiel en un mot. Allez vous abonner, vous suivrez la suite dans Évangile au quotidien. En lingala, tout comme en français, il y a des moments d'exhortation. On se bat pour interpeller également le peuple de Dieu en anglais. Que le bon Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, portez-vous bien. Je bénis votre journée, je bénis votre semaine. Changez d'attitude, changez de mode de vie, changez de langage, changez de comportement, changez même votre façon de marcher, changez même des personnes à aborder. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la présentation, c'était le pasteur Kalala, l'homme de la continuité des actes des apôtres, président de Patrick Kalala Ministry. Que les dieux tout-puissants vous bénissent et qu'ils vous bénissent richement. Nous sommes donc... arrive à la fin de l'émission. Vous voulez nous contacter, les coordonnées vous seront affichées dans le générique. Hein. Juste après, vous allez voir le générique et vous allez voir mon numéro. C'est le +1 331 262 4903. Maintenant, nous commençons avec les actions dans le cadre du Patrick Kalala Ministry qui Salomé Mebanda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, portez-vous bien. Vous voulez bénir le ministère? Si vous voulez faire un transfert pour soutenir ce ministère, c'est en écrivant, c'est sur PayPal que vous pouvez le faire. @PatrickKalalaMinistry. @PatrickKalalaMinistry. C'est ça notre PayPal. Je vais vous l'écrire, je vais m'arranger pour écrire dans toutes nos publications les transferts, les soutiens. C'est sur @PatrickKalalaMinistry sur PayPal. Vous pouvez le faire. Quand vous êtes incapable de le faire comme ça, vous pouvez faire les transferts par les agences Western Union, MoneyGram, tout ça. Mais le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le +1 331 262 4903. Je bénis tous ceux qui le font. Il y a de ceux-là qui nous soutiennent tout le mois, qui soutiennent ce ministère. L'œuvre de Dieu avance avec les finances, avec les moyens matériels. Que Dieu se souvienne de vous. Il y a également d'autres bien-aimés seigneurs qui nous soutiennent occasionnellement selon les moyens. Quand Dieu le bénit, il songe à nous et il nous bénisse. Que les dieux tout-puissants vous bénissent. Portez-vous bien. Bye bye. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Inspiré pour vous. Spirituel. Au programme, révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 4903. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 4903. Soyez bénis. Émission Malamu ya Maloba na Nzambe na Nguya pona ko simba lobi na yo pona ko zoa biyano malamu na bomo ina yo pona ko tatola elongi longo na kolo Yesu musali na Nzambe Reverend Patrick Kalala amemeli bino émission kitoko po ezali émission ya Maloba na Nzambe ya matea ya Nguya pe ya mabondeli ya moto 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 oto bengi ba prière agressive pona ko récupérer oyayo les pamboli pona ko récupérer Oyayo, bomoi pona ko récupérer oyayo esengo pe kimia. Bongo pona ko contacter biso, boy ko benga biso 001 331 262 4903. Et pesa melibino na moko na ba sana nzambe passé patikalala. Bola na biso na bokebinyonso, mikolonyonso Nzambe apambola bino. Merci.